à voir ce beau paysage dès le matin. Ça fait vraiment plaisir. Et pas de pancarte, interdiction de stationner, pas d'amende, pas de flic. Il y a quand même des maires intelligents en France, même si pour le coup, c'est la Corse. Et contrairement aux idées reçues, je vais pouvoir aller dépenser mes euros chez les commerçants du coin. Je l'ai déjà fait hier soir en me faisant un petit resto plus un bar. Oui, les gens en van dépensent même plus peut-être que ceux qui ont un appartement, car ils n'ont pas les frais de location à payer. Donc forcément, on a tendance à se faire un peu plus plaisir. Ça fait partie des bons côtés de la vie en van. J'avais acheté mon petit dôme pour la plongée qui vient accueillir cette petite caméra Osmo Action. Je vais enfin pouvoir l'essayer, vraiment l'utiliser à sa juste valeur. C'est avec ça d'ailleurs qu'on m'avait filmé pour prendre les vagues en surf. Et là, je prends mon petit déj et je vais aller direct plonger dans l'eau. Elle est à 25, donc autant vous dire, vous mettez les pieds dans l'eau, elle est super bonne. Vu que je n'ai pas le droit au drone à Propriano à cause d'un aérodrome qui est à côté, et bien on va tester tout de suite cette petite caméra. Qu'est-ce que c'est beau. Je viens de me faire une petite plongée ici. La plage de... Je ne sais plus le nom, mais ça va s'apparaître sur la carte. C'est juste à côté de Propriano. J'ai vu pas mal de poissons. Et là, maintenant, je vais aller au fort, une sorte de tour. Et je vais aller filmer ça. Alors, je ne ferai pas décoller le drone très haut car je suis limité à 30 mètres d'altitude vu qu'il y a un aéroport pas très loin. Mais bon, déjà à 30 mètres, on fait des belles vidéos en drone. Au paysage. Les eaux en Corse sont tellement belles, c'est vraiment agréable de se promener. Sentier, chemin pour aller voir la tour, mais apparemment c'est payant. La tour bâtie par les Génois est l'une des plus importantes et connues de Corse. Sa réputation lui vient de plusieurs particularités. La première, c'est qu'elle est la plus grande des tours de Corse. La tour avoisine les 15 mètres de haut. Une vue à couper le souffle vous y attend. À l'intérieur, vous pourrez y découvrir une exposition permanente qui retrace l'histoire des tours génoises en Corse et l'invasion des barbaresques. Ceci dit, attention de ne pas vous perdre sur les sentiers et tourner en rond. Pas mal de touristes se font avoir. Ça aussi. Qu'est-ce que c'est beau.
Bon, c'était cool. J'ai pas envoyé le drone longtemps parce que, bon, zone de 30 mètres. Heureusement que j'étais haut pour avoir des beaux points de vue. Et en plus, bon, j'étais pas serein, j'avais plus beaucoup de batterie. Et j'étais dans un endroit où c'était difficile pour atterrir, donc j'ai fait une vidéo très rapide. Mais ça continue. Ce restaurant a un atout certain grâce à sa vue. Petite promenade en mer, de bon matin. Avec des amis, nous avons décidé de louer un bateau pour nous faire une petite journée. Plage, visite et quelques activités nautiques. D'être le cobaye pour tester cette bouée. Rien de tel pour se faire bien réveiller de bon matin. J'ai voulu tester de me mettre debout sur la bouée. Malheureusement, les restes de crème solaire ne pouvaient pas me faire tenir debout sans glisser. On ne dirait pas comme ça, mais c'est vraiment physique de se maintenir sur la bouée. Passons ensemble vraiment un très bon moment entre amis. La bonne humeur est au goût du jour. Et si la mer ou l'océan a bien un pouvoir, c'est de nous faire tout oublier quand on est dessus. Nous arrivons à notre première crique,
une plage très prisée par les navires de plaisance. Et l'eau turquoise me donne envie de plonger immédiatement. Mais avant, une petite pause apéritif bien méritée. Le paysage est magique. Le peu de monde qu'il y a au mois de septembre, ainsi que l'eau encore bien chaude et les températures plus clémentes qu'en pleine saison, nous procurent un grand bien-être. Les eaux turquoises sont remplies de sar commun. De la famille des Sparidés, il est aussi appelé sargue, mouré, ponchou, sargou, saragou, mouchon, asparayou, barade. Il est même appelé poisson mordeur depuis peu, suite à quelques morsures en Méditerranée. Il serait apparemment attiré par les grains de beauté, les plaies, les morceaux de peau morte ou même les varices. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des piranhas et les morsures ne sont pas dangereuses. Et je décide de tester le wakeboard sur bateau. J'ai déjà réussi grâce à des palans. Les zones exprès, mais là, avec le bateau, malheureusement, après 3 tentatives, je n'aurais pas réussi à décoller. D'autres essaieront en vain. C'est bon ? Par le pilote du bateau qui en avait déjà fait. Nous arrivons sur une deuxième crique avec une eau toujours aussi turquoise. Et toujours ces sar communs en abondance. Vous pouvez apercevoir ici mon futur voilier. C'est le moment du retour. Nous commençons à nous rapprocher tranquillement vers le port. La journée a passé très vite. Les filles aussi auront le privilège de tester, de conduire ce bateau. Nous pouvons résister une dernière fois de déplier la bouée. J'ai malheureusement pu faire que très peu d'images avec le drone cette journée-là, car il avait un petit souci suite à une mise à jour. Un bon resto pour finir cette journée. Et nous clôturons notre journée sur des chants corses traditionnels.